За нас е изключително голяма чест да имаме при нас по случай автомобилния салон ръководителя на автомобили Peugeot, най-високия представител на марката и то за втори път през последните по-малко от две години. Ние високо оценяваме тази чест и затова няма повече да говоря, а давам думата на нашия скъп гост, господин Колев. Très bien. Merci. Bonjour. Voilà. Comme mon niveau de bulgare est complètement nul, effectivement, nous allons passer par une translation en bulgare en français. Аз, за съжаление, не говоря български, ще минем през превод френски-български. Voilà. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et en particulier d'être sur le terrain où s'effectue le business de Peugeot. Много съм щастлив да бъда сред вас днес и да бъда тук на мястото, където се осъществява бизнеса на Peugeot. Nous sommes une marque qui vend dans 160 pays de par le monde. Това е една марка, която се продава в повече от 160 държави в света. Il n'y a pas de petits ni de grands pays, il y a 160 pays importants pour Peugeot. Няма малки и големи държави, има 160 държави, в които Peugeot се продава. Alors, je parlais de notre histoire, nous, encore un petit clin d'œil à notre histoire, nous avons vendu 50 millions de véhicules Peugeot dans notre histoire depuis 1890. От 1890 година насам, ние сме продали 50 милиона автомобила. Et en 2008, nous avons vendu presque, enfin un peu plus, excusez-moi, de 1 900 000 véhicules. А през 2008 година обема на световните продажби на Peugeot беше повече от 1 милион и 900 хиляди броя. Alors, ce qu'on voit en particulier, c'est que la Bulgarie jusqu'au milieu de l'année 2008 était un marché qui était encore en croissance en 2008 par rapport à 2007. Et puis, dans la deuxième partie de l'année, ça a changé radicalement. Et malheureusement, ça a changé avec des niveaux de réduction de marché très très importants. Това, което се наблюдава, е, че България до средата на 2008 година беше все пак във възход и в ръст в сравнение с 2007 година, но след това тенденциите се обърнаха и се наблюдава спад. Alors, bien entendu, vous avez devant vous des situations de marché qui sont extrêmement différentes. Nous avons en particulier des marchés qui commencent non pas à sortir de la crise, mais qui commencent à montrer une meilleure figure quant à la croissance automobile. Пред вас виждате различни пазарни ситуации, значи има пазари, при които не може да се каже, че излизат от кризата, но започват да се съвземат и да показват положителни тенденции. Vous voyez en particulier sur cette charte que le marché allemand, le marché français, et j'ai pas mis tous les marchés du monde là, présente en ce début d'année des meilleures caractéristiques en termes de croissance. Ceci est lié à un certain nombre de mesures qui ont été prises dans ces marchés. Вижда се, че, например, френския и германския пазар показват някакви положителни тенденции, което се дължи на специалните мерки, които са взети на тези пазари. Alors, en réalité, quelle que soit la dynamique des marchés, pour une marque comme Peugeot, il est important de pouvoir travailler avec son réseau dans des environnements extrêmement contrastés. Каквито да са тенденциите на пазара, за Peugeot е важно да може да работи на най-различни, при всякакви възможни условия. Alors, quand nous sommes face à des marchés de nouveau en croissance ou en forte croissance, il est important pour la marque d'être extrêmement réactive et rapide pour aller chercher les vagues de la croissance. За марката е важно да хваща вълната на растежа и да работи на всички тези пазари, независимо от условията. Alors, pourquoi une marque comme Peugeot a cette capacité, si je puis dire, de résistance et de travail dynamique pendant cette crise? C'est ce que je voudrais regarder avec vous en énonçant les différents points de cette charte. Бих искал да изборя защо Peugeot остава уверено в тези условия и има възможност да контролира кризисната ситуация. La première raison, même si ce n'en est pas une en tant que telle directement, c'est que Peugeot, avec ses 120 ans d'existence dans l'automobile, ses 130 ans d'existence dans la mobilité d'une manière générale, ses 150 ans d'image de Lyon associée à notre marque,
est une marque qui a vu beaucoup de crises. На първо място, Peugeot, която има 120 годишна автомобилна история, а може би 150 години въобще съществуване на ВВ. Марка, която е преминала успешно през много кризи. Donc nous savons comment dire manœuvrer à travers les crises. Nous en sommes toujours sortis vivants, plus haut, plus vite et plus fort. Ние винаги сме успявали да маневрираме в тези кризи, да излизаме от тях още по-силни и още по-жизнени. Alors, il y a bien entendu des raisons beaucoup plus rationnelles que celles-ci. Разбира се, има много по-рационални причини от тази първата, която. Nous sommes présents dans 160 pays, ce qui nous donne une capacité également d'arbitrage des risques et des opportunités. Ние присъстваме в 160 страни по света, което ни дава възможност да правим арбитраж на рисковете и на възможностите на различните пазари. Nous sommes la cinquième marque en Europe et nous faisons partie d'un groupe qui est le deuxième groupe automobile en Europe. Ние сме петата марка в Европа и втората автомобилна група в Европа. Ce qui nous donne une puissance, bien entendu, de feu important en termes de technologie et en termes industriels. Което ни дава достатъчна мощ като промишлена и промишлена мощ. Sans parler, bien entendu, de l'aspect financier qui, dans une crise, est extrêmement, bien entendu, critique. Отделно, разбира се, и финансовата страна, която в кризисна ситуация е много важна. Le premier, c'est d'avoir un réseau extrêmement fort, extrêmement performant sur ces 160 pays où nous vendons nos véhicules. Първият наш важен лост е във всички тези 160 държави, в които продаваме автомобили, да имаме една ефективна, способна, благонадежда и мобилизирана мрежа. Le deuxième levier stratégique, c'est bien entendu l'offre produit et l'offre service. Вторият стратегически лост, това е продуктовото предложение, продукта и услугите след продажбата, голямо разнообразие възможности. Et le troisième levier stratégique, c'est le leadership environnemental, qui se traduit par un levier de création de valeur pour nos clients, qu'ils soient privés et professionnels, tout à fait important. Et le troisième lost est la position de notre environnement et notre soin des clients. Alors, si on revient sur le premier levier stratégique, c'est-à-dire le réseau, je crois que la Bulgarie en est un exemple frappant. Ако се върнем към първия лост, първия елемент, т.е. мрежата, България е един много добър пример. J'ai pu faire en tout début d'après-midi une revue de ce réseau en Bulgarie, le réseau de Peugeot. Аз разгледах мрежата на България в мрежата на Peugeot в България. Et j'ai été non seulement rassuré sur sa capacité à porter l'image de marque. И бях много доволен от нейните възможности да представя имиджа на марката. Avec beaucoup de blue box. С много центрове blue box. Et également complètement rassuré sur la dynamique à la fois de notre importateur et de son équipe. И бях много доволен от динамиката на нашия вносител в България и неговия екип.